frustré contre Zurich. Et Celestini qui profite de l'absence de Rennes pour jouer milieu offensif avec Pifaretti comme demi-défensif et Celestini et qui peut ainsi ouvrir le score. Rodurix, Petrov en bonne position. Il attend du renfort, oui, en retrait. C'est pour la tête de Wurtz. Et c'est l'égalisation. Alors ça part très 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 fort. Oui, Petrov, il ne marque pas, mais là en l'occurrence, il a déposé la balle sur la tête du Hollandais Wurtz. On a un 13e minute. Alors à qui cette 13e minute va porter bonheur? À Servette ou à Lausanne? Il y a eu un service immédiat de Durix. Lompa, un retour à Fournier. Alors, qui renverse complètement le jeu. Sollicite encore une fois Wurtz qui frappe. Et c'est 2-1 pour Servette. Et c'est 2-1 pour Servette. Un peu le même scénario que précédemment. Un long ballon. La défense centrale lausannoise qui se fait abuser. Et c'est encore ce diable de Wurtz qui marque. Alors, quel début de match. Moins d'un quart d'heure de jeu. Et déjà 3 buts. Wurtz. Oh, il y a de l'espace pour Durix. Bühlmann est seul sur la droite. Petrov est sur la gauche. Mais il n'y a pas grand monde dans les 7 mètres. Petrov qui attend. Oh, un petit crochet et c'est pénalty. Faute d'Orel sur Petrov. 27e, 29e minute, 30e minute même. Pour Durix, c'est Petrov. C'est Petrov effectivement. Alors, Petrov a la possibilité de marquer son premier but. J'ai le souvenir qu'il a manqué un pénalty contre Lausanne avec Saint-Gall dans la finale de la Coupe Suisse l'an dernier. Précieux dans le jeu aérien, Celestini. Oui, superbe. Un ballon qui ricoche, Pantelic. Et c'est 3-2. Encore une fois, superbe ce qu'a fait Celestini. Un peu plus de 36 minutes de jeu et Lausanne revient à un but de Servette. Regardez la frappe très sèche de Celestini. Peda, ce ballon lui ricoche sur la poitrine et Pantelic a très très bien suivi. Les Servettiens réclament hors jeu et lancé Pantelic directement sur Wolf. Rennes, pas d'hors jeu et c'est à côté. C'était remarquablement joué du côté lausannois. Pantelic qui s'est retrouvé en position idéale après un peu plus de 3 minutes de jeu. Non, il y a un Servettien là qui coupait le hors-jeu, c'est Fournier en l'occurrence. Côté lausannois, Fournier. Un ballon qui parvient jusqu'à Wurtz. Wurtz encore. Oui, et c'est 4-2 pour Servette. Alors Wurtz, c'était vraiment à l'énergie, c'était à l'arraché. Il avait un peu trop poussé son ballon. Et d'un tacle rageur, il surprend Brunel. 4-2 pour Servette à la 6e minute de cette deuxième mi-temps. Ah, le football est parfois bizarre. En tous les cas, la logique échappera toujours à ce sport. Wurtz, il n'est pas en jeu, c'est Pucci qui coupait de l'autre côté. Alors ils sont 3 contre 2. De l'autre côté, Petrov. Et c'est le coup de grâce. 5-2 pour Servette. 43e minute de cette deuxième mi-temps. Petrov qui marque son deuxième but. Et il aurait été pour beaucoup dans le succès de Servette et dans la conquête du titre. En tous les cas, dans le succès de ce soir. De même que Wurtz, dont le centre a été parfait. Alors, quelle complicité entre les deux hommes. On joue les arrêts de jeu. Et Servette va devenir champion de Suisse. Et Monsieur Meyer ne prolonge pas, il a compris, c'est fait. Et c'est fait pour Servette qui obtient donc son 17e titre de champion. Servette qui avait été champion pour la dernière fois en 1994 de cette équipe. Ne reste que le gardien remplaçant Marguera et Eddie Barrea. I paid my dues.
my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shout and kicked in my consider it a challenge.